to one. 5 sur 1. 5 contre. Ah, ça. Et c'est une vraie légende, ça. D'accord. Mais un peu trop sexuel. Ah, on n'en parle pas plus. Les 5 doigts de la main. Les 5 doigts de la main. On nous a compris. Il faut dire qu'à l'époque, ils étaient jeunes. Ouais. Et voilà. Boys will be boys. J'ai trouvé ça qui a eu l'idée, évidemment. Ah. Voilà. Hein, qui était très attiré par. On va dire par le sexe. Le côté sombre. Et le rock'n'roll. C'est ça. C'était ouais. L'époque qui voulait ça. C'est l'époque qui voulait ça. Ouais. Non, c'est dommage que ça ne lui ait pas porté chance. Ouais. Et il s'est fait casser une bouteille par Janis Joplin sur la tête. D'accord, ça, je rigole. Ah oui, oui, oui. Une bouteille de monsieur. Il a voulu attraper Janis Joplin et l'autre, il a cassé le bouteille. Il s'est comporté comme un vrai bouger avec elle et elle, elle était. L'autre, elle a pris la bouteille, il a fracassé sur moi. Elle s'est pas laissée faire. Ah non. C'était une sacrée. Voilà. Ah oui. Voilà. Comme quoi, elle était déjà féministe avant l'heure. Ah non, pas l'actualité. Votre impression, le public. En tout cas, génial. Génial. Ah, ouais. Comme formidable. L'ambiance. Ouais. Les gens, ils adorent les morceaux, ils chantent, ils reprennent des trucs en chœur, c'est trop trop bien. Ouais. C'est transgénérationnel. C'est ça. Voilà. Ah, oui, le rock n'est pas mort. Non, non. Ah, non. L'esprit n'est pas mort. Non, en tout cas. Non, c'est super, super. Vraiment, on a adoré ce concert. Vraiment. C'est la première fois sur le Théâtre de Verdure ? Non, on a fait plus. La première fois, c'était en 2015, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. C'est 2015 ou 14. Ouais. On a fait comme ça. On a fait la Gaule, on avait fait là plusieurs fois. Et là, vous produisez un peu avec le tribute ? Difficile, parce qu'on travaille tous avec d'autres formations. Et c'est compliqué à voilà. Déjà, rien que trouver le temps pour répéter, c'est difficile. Voilà. Parce qu'on joue tous d'un côté et de l'autre. On a fait une répétition, juste avant de le dire. Ouais, une répé. Notre niveau ne nécessite pas d'en faire beaucoup non plus. Oui, mais il faut en faire une quand même. Il faut en faire, oui. Parce qu'il ne faut pas en faire, mais. Parce que les danses, quand même, c'est des structures quand même particulières au niveau des chansons. C'est pas juste. Couplet refrain, c'est fini. Non, il y a les petits solos. Ça voyage quand même beaucoup. C'était vraiment, on était aux prémices du rock progressif qui a suivi un peu de temps après. Mm-hmm. Donc, tu veux me rappeler, Chris, l'an dernier, combien de répètes vous avez fait pour le tribute de Jeff Beck, il y a 2 ans? On a fait plus. On a fait 2. Ah, on a fait 2. Désolé, effectivement, il y en avait 2. Non, mais disons qu'on a toujours. L'âme du groupe, il y a toujours. Oui, c'est ça. Mais après, il faut se remémorer certaines structures qui. On avait fait beaucoup de concerts dès le début du groupe. Ces amours, on jouait régulièrement. Vraiment. Et ça fait que les morceaux, ils sont vraiment intégrés, tout ça. Et c'est vrai que là, ça fait, c'est notre date depuis 3 ans. Ah, ouais. On n'avait pas joué depuis 3 ans. Ok. Voilà. Donc il fallait vraiment mettre. Alors, on joue au mois de novembre après, cette année. Quel endroit on fait un petit bar qui s'appelle le Cage, qui est très sympa. Oui, le Cage. Début novembre. Voilà. On mettra on annoncera ça. On 5 to 1. Magnéto, Serge. C'est un vieux groupe. Existe depuis 2011. Ouais. Avec les mêmes membres. Avec les mêmes membres. Toujours, c'est bien. Et oui, toujours. Donc, existe depuis, voilà, depuis 2011. J'ai l'idée de monter ce groupe. Et parce que je vois Chris jouer au, je sais plus, au Kings, et je lui dis, lui, je le veux. Je veux lui. Après, je vois Fred jouer. Fred, il jouait du jazz. Hein. Donc, si tu veux, les danses, quand même, c'est des gens de plusieurs univers. Le pianiste qui fait du jazz, le guitariste qui fait du flamenco, le chanteur Jim Morrison, qui n'est pas chanteur, en fait. Poète. Et le guitariste qui fait du classique. Du flamenco classique. Voilà. Et le batteur qui fait plutôt du jazz. Non, le batteur, il était. Fanfare. Batteur de fanfare. Batteur de fanfare. Eh ouais, c'est pour John ça qu'il y a le batteur de fanfare. Ouais, ouais. Voilà, donc, si tu veux, donc, j'ai l'idée de monter ça et je lui propose à Chris, je sais qu'il adore les danses. Il me dit oui de suite. Après, je dis à. Fred. À Fred. Fred qui connaissait pas les danses du tout. Oui, parce qu'il vient du jazz, ou des morceaux les plus connus. Et après, avec Eric, on se connaît depuis très longtemps, donc on a joué ensemble quand même souvent. Et donc, on monte le groupe et on répète pendant 3 mois et on fait notre première date. Ça démarre en janvier, on fait notre première date en avril au Césabo, qui est un club qui existait et qui n'existe plus maintenant. Et là, ça marche.
Et puis on a dit, bon, ben, on continue. Et après, on a joué au César Bourg régulièrement. On faisait un week-end tous les mois, un truc comme ça, tous les deux mois. Voilà. Et après, c'est parti. On a fait des grosses dates, des gros festivals, tout ça. Super. Voilà. On a fait la clôture du Moods. On a fait la clôture du Moods à Monaco. Le Moods qui était un club fabuleux. Qui va rouvrir. Hein. Ouais, qui va rouvrir. Et qui devrait rouvrir. Donc une nouvelle une salle supplémentaire à Monaco bientôt. Ah, ouais. Et une belle salle. Ouais. Avec Hervé Véroque, le talent ne vaut que s'il est partagé.